Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vous présente en transmission différée Béatrice, légende lyrique en quatre actes, poème de Robert de Flers et de Caillavet, d'après Charles Nodier, musique d'André Messager. En voici la distribution. Béatrice, Jacqueline Brumaire. La Vierge, Nadine Sautreau. Mucidora, André Gabriel. La Bohémienne, Solange Michel. La Supérieure, Christine Cloez. Florise, Claudine Collard. Les Sœurs, Mathilde Sidérère, Huguette Entier et Jacqueline Cochard. Et c'est Raphaël Romagnoni qui sera Lorenzo. Robert Massard Tiberio, Lucien Levaneau l'évêque, Joseph Perron Fabrice, Jean Molien Fabio, Charles Clavinci Beppo, Georges Alves, un vieux pêcheur, Daniel Marty et Albert Cora, deux pêcheurs. Les textes de présentation sont de Gustave Samazeuil, speakerine Hubert Nogaro. La mise en onde musicale est assurée par Émile Crégu et l'enregistrement par Jean-Marie Kuhl. Les interprètes, l'orchestre radio-lyrique et les chœurs de la radiodiffusion française, chef des chœurs René Alix, sont placés sous la direction de Gustave Cloez. Parmi les nombreuses partitions qui ont illustré le nom d'André Messager et lui ont assuré une des premières places sur les terrains qu'il avait voulu délibérément choisir, faut-il rappeler La Basoche, Madame Chrysanthème, Fortunio, Isoline, Véronique, Les Petites Michues, Coup de Roulis et tant d'autres où s'affirme sa personnalité si particulière et si vraiment de chez nous. Béatrice n'est pas celle qui a eu la fortune la plus brillante. Et pourtant, cette légende lyrique en quatre actes qui fut créée le 21 mars 1914 au Théâtre de Monte-Carlo, entra au répertoire de l'Opéra Comique le 23 novembre 1917, montre sous un aspect nouveau les possibilités de création artistique de Messager et s'avère entièrement digne de la faveur des amis de la musique. Le livret, signé de Robert de Flers et de Caillavet, est tiré d'une nouvelle de Charles Nodier avec leur habituelle expérience des choses du théâtre. L'action se déroule au XVIe siècle en Sicile. Au lever du rideau, sœur Béatrice lit aux sœurs assemblées dans la cour d'un couvent le récit d'un miracle en commémoration duquel une noble dame fit jadis construire ce monastère et le nomma couvent de la Vierge des Ruines Fleuries. Un jardinier apporte les fleurs que se disputent les sœurs pour en faire hommage à la statue de la Vierge. Béatrice réclame pour elle seule le privilège de la garde de l'hôtel, ce qui lui vaut la privation de la mère supérieure d'assister à l'office du soir où se rend bientôt la théorie des religieuses, laissant Béatrice seule en scène avec deux de ses compagnes. Alors survient Ave, les vêtements en lambeaux, une bohémienne dont Béatrice apaise la faim et qui lui prédit un avenir troublé par des passions humaines. Indignée, Béatrice la chasse et dit à l'évêque survenu pour visiter la communauté son tendre amour pour la Vierge et à la suite de quel vœu elle prit naguère le voile, son ami Lorenzo étant sorti indemne d'un combat contre les Turcs. Et voici que résonne justement dans le lointain la voix de Lorenzo qui paraît bientôt et évoque le souvenir du passé. En vain, Béatrice cherche à l'écarter. Deux hommes surgissent, la baïonnent et l'enlèvent. Au rythme de la cloche de l'Angélus, la statue mystérieuse s'anime. La Vierge descend de son autel, revêt le manteau de la religieuse disparue et va prendre sa place dans le cloître.
moi, mes sœurs, ma mère. J'attendais pour entrer la fin de la prière. Je vous porte des fleurs. Voici des miscalis de candor, ravis au butin des abeilles. Et le rouge rose vermeil, et le jasmin d'où ruissellent encore les larmes du matin. Ils sont ma chambre. Thank you.
J'y verrai l'avenir mystérieux et sombre, et ce que dit la bouche d'ombre. Dans nos mains, à nous, on ne peut rien dire d'un mystère que Dieu n'est voulu pas inscrire. De savoir le destin, avez-vous donc si peur? Je ne crains rien. Si c'est ce que le destin porte dans son manteau semé d'étoiles et de fleurs, il n'y porte pour moi que paix et que douceur. Mon avenir, je le sais, je l'espère, il est tranquille et deviné. Non, je ne crains rien. Mon avenir, Elle doit être acceptée.
t'avais fait vœu de périr en tout temps. Mais dites-moi, pourquoi ce châtiment? Pour Marie, la Vierge Marie, j'avais exigé tous les lits, les lits blancs comme des surplis, afin qu'elle puisse en les maintenir. Car moi, quand les droits dormis sont nos ailes, et je ne ferai pas le privilège même par la vie. La colère déplaît au ciel. Oh.
n'oubliez-vous plus? Non, j'oubliais, j'ai oublié. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez connu mon enfant, la mère douce. Oui, vous m'écouterez.
de suite compris que c'était le ciel qui vous mit sur ma route, ô consolatrice. Thank you.
Et tu riras dans ta clarté,
Thank you.
que tous les bonheurs. Nous vivrions, je n'ai qu'un bonheur, je m'adorerais sans tu, Dieu, le paix, l'amour. Il
vous aime toujours. Est-ce bien moi qui l'aime, ou bien est-ce en moi le reflet de lui-même, ou seulement de son nouveau poème, l'héroïne que je dois jouer bientôt? Mais vous l'aimez toujours. Moi, je l'aime peut-être encore, mais il me lie par trop ses vœux. Et si jamais, par une nuit pareille, un jeune cavalier à ma porte frappait, et si ce n'était pas un poète aux merveilles, peut-être qu'on l'écouterait. Pour vous plaire, Usidore, que devrait-il faire? Presque rien. Charmant et me dire tout simplement, je suis l'aventure, je suis l'avenir, à l'aube de ma légère forge, je partirai tel que je suis venu. Ces bras me permettent. Dans une heure. Béatrice! C'est toi! Mais... C'est toi! Je t'en prie. À quoi bon? Tu m'as trahi. Yeah.
Sur terre,
m'est tant que ce soir. Eh bien, si tu le veux, ce soir, pourquoi je t'éloignerai mon chevet. Et tes programmes, chère reine, jusqu'au matin, je te serai fidèle. Et puis après, ma brise, ce sera mon amour qui te lit ton caprice. Les yeux mordent les hommes fous, souvent les filets furent rouges à cause d'eux.
assez peu gourmande, je vais humer l'air pauvre, ayant bu le vin frais. Ah, moi, j'ai soif encore. Et là, que t'a-t-il fait? Va-t'en donc. Ah. Je laisse à terre psychore le soin d'apaiser, cher Seigneur, cette brusque saute d'humeur. Et poussé dans la place, je vais sur le rivage attendre la bonasse. Pour toi, cette prostituée. Ce n'est pas moi, la reine, car Béatrice.
Mourir.
est ici. C'est ici l'église. Oh.
Thank you.
enfant.